L'indépendance, il faut dire quoi tu as congolais, dit quoi au liberté, égalité, ni bitouiné, il quoi y a moins qu'à dire. Il faut dire, non, tout le monde a eu l'indépendance, il faire en sorte que, à tout le coup, à Watumo, la Kini, tout le baki, au moja wa inchi, Congo, hein, kaburi, kuna ma inchi, kaburi ka, ma inchi mingi, Soudan. Kuko ingine Ethiopia ilitre ilikuwaka inchi moya zamani lakini yende na kabulika ma Somalia tuseme lakini Congo inabakia ini iko umoja ile carte ile Leopold de alichapaka na crayon mpaka leo na mpaka leo na inashangaza watu na ndio inatuletea magumu lakini wakongomani wakakiltive unité nationale umoja wa taifa mpaka leo ukatembea fasi yote naenda Kongo hakuna ule mtu hatakubagua hakuna ubaguzi kati ya wakongomani hakuna ubaguzi ile iko aki yenye Lumumba aliacha kana kasavu na inaendelea mpaka leo hata Mobutu naye aliacha vile vile alikombattre tribalisme lakini tulibaki umoja hakuna balkanisation tulipata njoo magumu kidogo a 1998 wakati ya rebellion kukakua MLC, anakamata parti, RCD Gome anakamata parti, RCD KML, alo inchi kakakulika. Alakini, effort ya wakongomani, kusikilizana, tukarudia tena umoja. Na mpaka leo, ile umoja ni kitu kubwa. Wengine hawiko sawa wakongomani. Hawiko sawa wakongomani. Ile kabisa ndio tunapigia, tunapigia kabisa marto pale, l'unité nationale Congo est indivisible, c'est une richesse, c'est une force. Mais si vous êtes à Kabulane, vous avez un mouvement au Congo. Il est Dieu qui est au Zaïdi. Quand vous avez fait ma division, ma université n'a pas mis, il est lié à l'explosion démographique. Quand vous avez mis, en 60, vous avez mis, 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 na kisha mmoja mwingine kakuya Kisangani ile wa protestant 63 na ikaonekana saa tunafika maneno nat watu wanakuwa wengi kutoka hapa wende Lubumbashi wende Kinshasa wende Kisangani kwa ku universite iko na capacité d'accueil ya watu ngapi ili faire en sorte que wa liberalize wa augmenter ingine ma université ku liberaliser ku partir hata watu wa privé wa créer nao masomo na ndio ile unaona wa privé wana créer ma masomo katoliki na créer protestant na créer na wa privé wa citoyen wenyewe kuna pesa nao wana créer wanasaidia l'état kwa ile ngapo na ile nayo ni yaki yenyewe ilikuwa impossible parce que kwa mbeleti ilikuwa principe pas d'élite pas de problème. A quoi on appelle la Zaïdi pour former Dieu est allé à problème ça. Watu wakisha kuwa wayuwai, ni inatoka wapini katika masomo. Atakuwa na shida, watachunguza kila mambo, ndio maana wakuwa na elimu. Avec la démocratie, l'indépendance, yetu lipata la démocratie, wana liberalize na ile ni kitu. Watu wengi wanashangaa kama kuinchi yetu tuna masomo mingi ile, ni volume ya population, iko mingi. Na tunapenda watu wasome na watumike na wabadilishe sura ya nchi yetu. Wakongomani wengi kwa sasa wanasoma kwa wingi. Walikuwa wachache ndio walikuwa wanasoma tu masomo ilikuwa kidogo. Watu wote walikuwa wanaenda. Na makriteria ilikuwa mingi mingi. Kwa kuingia ifo kupata plus ya 60%. Me leo hata 50 utaingia kwa university. Ile ni liberalisation na kitu moja lazi. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je remercie la RTNC Bukavu d'avoir songé à nous pour pouvoir dire quelque chose en rapport avec notre indépendance. Oui, tout à fait, c'était déjà opportun, et d'ailleurs en retard, parce qu'il y avait déjà d'autres pays qui venaient déjà d'accéder à l'indépendance avant nous. Le moment était opportun, et sinon la Belgique allait radicaliser l'exploitation et prendre d'autres mesures. Donc, le 30 juin, c'était déjà un moment
où il fallait demander l'indépendance, les 30 jours. Oui, le professeur Van de Bilsen, lui, il a fait sa lecture par rapport à l'opinion belge. Et en fait, il ne tenait pas compte de la lecture interne au niveau du Congo. Là, c'est vis-à-vis de l'extérieur. La Belgique voulait que ce soit à 30 ans. À 30 ans, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore une très bonne préparation pour la relève. Ça, c'est selon la Belgique. Mais compte tenu de la violation des droits de l'homme, est-ce qu'il fallait attendre? Compte tenu de l'exploitation inhumaine de la Belgique vis-à-vis des Congolais, est-ce qu'il fallait attendre? Donc, je crois que pour les Congolais, il n'y avait plus moyen d'attendre parce que la souffrance, et la privation des libertés, et l'exploitation inhumaine des hommes et des femmes en République démocratique du Congo avait déjà atteint un niveau tel qu'on ne peut plus, on ne pouvait plus accorder même un seul jour aux colons belges la souffrance, la misère. Donc, ces paramètres, ces indicateurs avaient poussé à ce qu'en interne, qu'on ne puisse pas. Mais la lecture belge, on voulait encore retarder, mais en retardant, qu'est-ce qui allait arriver? Donc, c'est la souffrance qui allait être accumulée, pérennisée par la Belgique. Donc, c'est en fait ça. Bon, il y a une opinion qui dit... L'indépendance, c'est pas clair, c'est par rapport à la Belgique. C'est, la Belgique avait planifié les chaos. La Belgique avait planifié les chaos parce que la Belgique ne voulait pas partir les 30 jours. Et parce qu'elle ne voulait pas partir, son comportement a développé des astuces pour que les chaos règnent en République démocratique du Congo. On l'a vu avec Lumumba et Kasavubu, l'incompréhension sur la gestion du pays, le régime qui était parlementaire, et Kasavubu qui devait régner sans gouverner, il y a eu incompréhension. Et le deux déjà était divisé par la Belgique. Le deux leader était déjà divisé par la Belgique. Kasavubu était déjà pro-Belgique, occidentale, et il faisait partie des groupes d'Mbiza, et ceux qui ont planifié la mort de Lumumba. Vous voyez déjà en 60, avant l'indépendance, il y avait déjà ces tendances. La Belgique avait déjà planifié les chaos, il devrait se rassurer de gens qui devraient gérer le pays à sa faveur. Et Lumumba a payé de son sang. C'est pourquoi Lumumba avait été tué. Avait été tué parce que lui, avant il collaborait, mais il a pris une attitude radicale contre les Belges. Il ne voulait plus collaborer. Il fallait réellement que le pays soit indépendant et que les richesses reviennent aux Congolais, soit profitable aux Congolais. C'est tout ce que nous avons mis. Après, le groupe de Mbiza a gagné à Tiwa Lumumba. Ils ont gagné et on a installé plus tard Mobutu. Hein, après la neutralisation de Kasavubu. Et même Mobutu, c'était juste une fabrication de l'Occident pour mettre la main sur les richesses du Congo. Et pendant tout ce temps, rien n'a été fait en termes de développement de ce pays. Les Congolais n'ont pas bénéficié. Donc, vous voyez, c'était une planification de la Belgique à long terme pour continuer l'économie politique de prédation, d'exploitation, des richesses, et continuer la violence également. La violence. Vous dites que tout cela, c'est... Les Congolais n'étaient pas tellement préparés parce que les écoles sont venues en retard. Les écoles. Pour préparer, l'élite intellectuelle sont venues en retard. Les premières écoles catholiques sont venues en retard. L'université, la première université, c'est en 54, l'Ovanio, et en 56, l'université officielle du Congo. Vous voyez, c'est en retard. En retard, quelques mois avant, quelques années avant l'indépendance. Donc c'était un fait. Mais il y a des pays où on n'a pas tellement de l'élite intellectuelle, mais les pays sont stables. Il y a certains pays qui sont stables. Donc, est-ce qu'au Congo, on pouvait manquer de gens qui sont sages pour gérer le pays? Je ne pense pas que l'éducation était l'indicateur fondamental pour dire que ces chaos-là se suite aux gens qui n'étaient pas instruits, ainsi de suite.
Mais dans nos sociétés, est-ce qu'on était des sauvages, nos sociétés traditionnelles? Il y a toujours des sages qui géraient la cité et à la satisfaction de la population. Je ne pense pas que ce soit vraiment... C'est l'air main visible à manipuler les politiciens, à manipuler les Congolais, à leur somme. C'est ce qui a créé tout ce chaos. On a suivi la mutinerie avec Jean Cesse, avant égale. Mais c'était des provocations. Tout cela, c'était des provocations. Donc, c'est la main de la Belgique qui a fait que le pays n'a pas été construit en 60 et après 60. Le pays n'a pas été construit. Okay. Alors que notre idée, c'était de construire un pays plus beau qu'avant, mais jusqu'à aujourd'hui, vous voyez où est-ce que nous en sommes. On est en train de tanguer entre la construction d'un pays plus beau qu'avant et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Donc jusque-là, on n'a pas réussi. À ce moment-là, c'était les Belges. Bon, en termes de la stabilisation économique, c'était le cas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec plus de 90 millions d'habitants, aujourd'hui, par rapport à cette époque-là, la vérité est que aujourd'hui, les rôles nocifs des puissances étrangères régional et sous-régional contre le Congo a fait que nous n'arrivons pas à avoir la stabilité. Il y a un rôle nocif des puissances étrangères contre notre pays jusque-là et à cause de quoi? Des richesses. Tout ce que nous connaissons comme soubresaut, rébellion, ça tourne toujours autour des richesses du Congo. Et il y a la faiblesse aussi de la gouvernance interne, d'abord en 60, puis Mobutu, et après on se bat jusqu'à ce qu'on puisse améliorer la gouvernance, mais on n'a pas encore réussi. C'est un processus, c'est une dynamique. Okay. Oui, tout n'est... Le grand acquis, c'est que le Congo est resté indivisible. L'unité du pays a été sauvegardée, malgré la mauvaise période que nous avons vécue, des rébellions du RCD Goma, le MLC, et où les pays étaient quelque peu balkanisés, mais l'effort a été fourni par la communauté internationale pour ramener le pays à l'unité, et jusqu'au jour, nous résistons à ces défis de la balkanisation. Ça, c'est le grand défi, le grand acquis de ce pays jusque-là. À 60, le monde a laissé le pays un. Aujourd'hui, le pays est encore un avec la nouvelle dynamique. Ça, c'est le grand pays, le grand acquis de notre indépendance. Rien n'a été bradé sur le territoire national. L'autre grand acquis, c'est qu'il y a la volonté de vivre ensemble. Les Congolais, quelle que soit la misère, ils se reconnaissent Congolais. Donc, de par leur citoyenneté, ils se reconnaissent Congolais. Et ils ne développent pas la haine contre eux, entre eux, non. Hein, les Congolais, moi je viens de Beni, Beni Boutembo. En tout cas, j'ai été très bien accueilli. C'est pour la seconde fois que je suis là-bas. Et je me suis retrouvé chez moi au Congo. Et même les noms, Mouniabeni, ils pensaient que moi j'étais originaire de là, alors qu'il n'en est rien. Donc, cette volonté de vivre ensemble, et c'est vraiment un autre acquis. Au-delà de ces acquis, il y a encore l'économie qui pose problème. L'économie pose problème. Il faut que les dirigeants y travaillent beaucoup. Et il y a également la sécurité. Ça, on peut pas. Ça, c'est des conséquences d'un pays qui est post-conflit. Hein. Il y a eu plusieurs rébellions, plusieurs groupes armés. On n'a pas encore éradiqué ça. Et ça, il faut reconnaître. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour stabiliser le pays. C'est aussi un acquis, hein. C'est par rapport à la taille de la population. On ne devrait pas garder deux universités. Il y a eu la troisième, c'est en 63, l'Université libre du Congo, aujourd'hui l'Université de Kisangani, les protestants venaient aussi de créer leur université. La planification de créer les universités est liée au volume démographique de la population. Avec 90 millions,
on ne devait pas garder les trois universités. Il fallait multiplier pour permettre à la population d'accéder à l'éducation. Donc c'est un acquis aussi. Mais cet acquis doit être contrôlé par la qualité. Par la qualité. Mais c'est un acquis. Nous avons beaucoup d'écoles aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était seulement les réseaux catholiques. Les réseaux protestants est venu après. Et il y a les particuliers aujourd'hui qui créent des écoles comme des grands services publics pour relier l'État dans la tâche de la formation, dans la tâche de l'éducation. C'est aussi un acquis. D'accord. Je suis. Bon, j'étais en. Quand on levait l'indépendance, j'étais déjà à l'école secondaire, à l'école professionnelle agricole de Cavard, qui était dirigée par le père Roger Carbonnet avec M. François. En fait, notre école était dirigée par des Blancs. On n'avait pas un seul professeur africain à cette époque-là. Mais il y a eu un vent. Nous avions un père qui avait bien compris que l'indépendance allait venir. Et ce père réunissait les politiciens en cachette, mais il nous associait, le père Carbonnet Roger. C'est comme ça que j'ai connu le congé de Pentecôte. C'est comme ça que j'ai connu, parce qu'il venait se réunir avec nous, les Gachungunu, qui va devenir le vice-président du Sénat, Gachungunu Pierre. Alors le père nous réunissait pour nous dire le droit, l'indépendance. On ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Parce que l'indépendance, on n'en rêvait pas. Et c'est là-bas, le père Carbonnet, il nous réunissait. Il nous disait, oh, il faut savoir une personne, une voix. Est-ce que c'est pas là que nous avons commencé? Une voix, c'est quoi? Ah, la démocratie. Bon, on était jeunes. Bon, maintenant, comme on devient délégué, on avait 23 ans. Et petit à petit, à l'indépendance, j'avais déjà 24 ans. Et celui à qui il avait dit, c'est quelqu'un de Walikalila, qui va devenir le ministre des mines. Mahamba. Alors Mahamba, le père dit, il ne faut pas craindre le blanc. Il ne faut pas avoir peur de blanc. Et lui, Mahamba dit au père Carbonnet, vous perdez seulement peur, vous n'avez pas peur de blanc. Et là, on a compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et au moins, on ne voyait pas ce que c'était l'indépendance. Mais bon, on savait d'ailleurs quand même qu'il faudrait les lire. Il faudrait lire les conseils au niveau de chefferie. Il faudrait lire les conseils au niveau des territoires jusqu'à l'Assemblée provinciale et nationale. Et il n'y a eu que les enseignants qui sont devenus les premiers députés à tous les niveaux. Parce que la colonie avait formé beaucoup plus d'enseignants et quelque peu de commis, comme on les appelait, les clercs, les gens qui savent faire la machine, les records moyennes de Nyangues. Ils s'appelaient Ndombe. Oui, moi, il y a un Ndombe. Ils s'appelaient Ndombe, effectivement. Et là, comme vous voyez, on avait élevé. Il n'y avait que trois formations. Vous allez au petit séminaire. Oui, vous allez à l'école des moniteurs, oui, vous allez à l'école des commis, des clercs. Et c'était des trois formations qu'on avait. Petit à petit, est venue l'école de Saint-Paul, qui avait commencé à Katana. Bon, en fait, ce n'est pas ça notre problème. Et nous, on avait déjà cette petite formation. J'ai terminé mon école agricole en 59, le 24 juin 59. Et là, j'ai été recruté à la même école comme petit enseignant. Comme j'avais eu la chance de comprendre un peu plus que les autres l'agronomie, et l'école m'avait recruté pour que je serve de donner cours en première année. Et quelques temps après, je me suis marié le 26 décembre de la même année, 26 décembre 59. Deux mois après,
j'ai eu la chance que je sois élu pour aller faire une formation accélérée en Belgique. Donc, en 1960. Parti en Belgique en février 60. Très bien. Et donc, c'était juste pendant qu'on venait de terminer la table ronde politique et que la table ronde économique a commencé. Donc, quand la table économique a commencé, j'étais déjà en Belgique. Bon, mais il y avait encore quelques politiciens qui tenaient encore en Belgique pour des contacts, tels que Lumumba, que j'ai personnellement connu. Même Mobutu, je l'avais connu. Jeune, vraiment, j'étais très jeune, mais journaliste. Très bien. Alors, je dis. Alors, c'est malheureux pour moi, le 30 juin, j'étais en prison en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions envoyés quand on avait rêvé l'indépendance parce qu'il y a eu un massacre à Kisangani et on logeait, on montre à la télévision comment on tuait les blancs à Kisangani. Dommage que j'ai devant moi une femme, trois femmes tenaient le bras gauche, trois femmes tenaient le bras droit et on déchirait et ça on nous a montré à la télévision. Et ça fait peur aux Belges, c'est comme ça qu'ils nous ont envoyés juste avant que l'indépendance soit là. Et c'est comme ça qu'on nous a envoyé en France pour continuer notre stage. Mais le 29 juin, le mercredi 29 juin, on a envoyé un message pour que nous venions en Belgique, en fait, de fêter avec les autres et puis rentrer après. Dans les trains où nous nous trouvions, quand nous sommes arrivés à la limite entre la Belgique et la France, on devait changer les agents de sécurité. L'agent de sécurité qui a remplacé celui de la France devait contrôler le voisin, en fait le voyageur. Et il tombe sur cinq noirs. Nous étions cinq dans le même compartiment, trois Congolais, un Burundais, un Rwandais. Ces Rwandais étaient déjà beaucoup plus habitués à la combine européenne. Et le contrôleur, le truc de la sécurité belge, il regarde nos passeports congo-belges. Il dit, mais comment? Vous allez devenir, le Congo va devenir indépendant pendant que la Wallonie est colonie de Flandre. Nous, on n'en comprenait rien. Qu'est-ce que ça voulait dire? Entre Flandre et Wallonie, on voyait la Belgique. Bon, alors il a saisi nos passeports et nous a coffré dans le câble du train. Et Dieu merci, c'est le Rwandais, là, l'Intoussi, qui a communiqué en Belgique que les Congolais sont portés disparus. Et bon, on a avancé, heureusement, le type n'avait pas eu une attention pour faire disparaître nos bagages. Et nous arrivons, le train arrive en Belgique, en Bruxelles, le midi, comme on l'appelle, c'est parce qu'on l'appelle encore comme ça, je ne sais pas, parce que depuis lors, je me suis pris en Belgique. La balle de midi. Oui, et là, les trucs qui avaient communiqué au ministère des Affaires étrangères, et le ministre des Affaires étrangères délègue les juristes à la gare. On arrive là, on commence à demander où sont les Congolais. Où sont les Congolais? Non, le type dit, non, il n'y avait pas de Congolais dans les trains. Mais cet ami rwandais dit, si, il y avait trois Congolais, mais ils sont prêts à disparaître. C'est comme ça qu'on va nous chercher. Et que nous, on ne va pas vivre alors la chaleur de l'indépendance. Et on va nous chercher dans le cave, et on nous remet, mais on n'a pas pris assister à la fête. Mais au moins, nous avons quand même compris que l'indépendance était là. Mais les gens étaient. Indépendance, tout le monde chantait indépendance. Bon, mais nous, on ne comprenait pas ce que c'était l'indépendance. De toute façon, je ne comprenais pas. Mais on était déjà dit, bon, que l'indépendance, les gens vont travailler ensemble, parce que c'était ça. Monsieur Van Engelk, qui était ministre du Congo à cette époque-là, lui avait proposé que l'indépendance ait lieu des années 80. D'ailleurs, j'ai même logé chez lui pendant deux jours. Il nous avait accueilli chez lui. Une chose extraordinaire, ce monsieur-là était sénateur, ministre du Congo, professeur à l'université et président des agriculteurs. C'est comme ça qu'il nous avait accueilli. C'était monsieur Van Bilsen? Non, Van Emmerich. Pas Van Bilsen, Van Emmerich. Et sa femme faisait la sculpture.
la chora, ma mythe, pour qu'il vive. Donc j'ai gardé deux. C'est la sculpture de sa femme qui faisait vivre la maison pour nourrir la famille. Et tout l'argent qu'elle touchait son mari, c'est ce qu'il nous a expliqué. Comme un politicien, il employait ça pour faire filer les enfants des pauvres. Et ça m'a frappé. Enfin, donc l'indépendance, nous on pensait que l'indépendance, c'est qu'il se disait que pour tout le monde, tous les blancs vont partir, nous allons devenir chacun avec sa voiture, chacun avec la maison des blancs, c'est ce qu'elle racontait. Mais en Belgique, nous, la conviction que nous avions, c'était autre chose. Travailler avec eux pour que vous développiez ensemble. Et c'est comme ça qu'on a rien. Quand nous sommes arrivés au Congo, les blancs étaient déjà partis. Et ça nous a beaucoup choqués. C'est dommage, moi qui étais élevé avant l'indépendance, ce que nous avons vécu, on a commencé par perdre la confiance entre nous. Parce qu'avant l'indépendance, on pouvait aller. D'ailleurs, je vais vous dire une blague. En 1958, je suis parti avec le père directeur à Kindu en Volkswagen. Nous sommes partis à 4 du matin, à 19h, on est à Kindu en Volkswagen. Ça, c'est avant l'indépendance. L'indépendance acquise, bon, les choses ont commencé par changer 6 fois 6. Je ne sais pas si vous avez entendu ces mots-là. 6 fois 6. Mais petit à petit, les gens ont commencé à s'entre-manger. Des choses qu'on n'avait jamais connues. Hein. Quand on était à l'école, on ne savait pas qu'il y avait un type du nord ou du sud ou du nord ou du ouest ou du Rwanda ou du Burundi. On était des camarades. On était vraiment des camarades, des amis. Mais après l'indépendance, on commence par dire, ah, celui-là est de tel côté, celui-là est de tel côté. Donc vous trouverez, je vois, il y avait d'ailleurs un ministre provincial qui s'appelait Bissarani. Et c'est Philippe, il était ministre de la Justice ici. Philippe, son fils était directeur de. Ma mémoire, je n'en ai pris entièrement. Philippe, il dit, quand il y a eu ce soulèvement en 62, là, qu'on ait tué le père à. Mais il dit, prenez les lances et tuez tout ce qui n'est pas notre. Et ça, il dit à la radio. Bon, ça. Donc, avant l'indépendance, nous étions tous unis. Tous. Il n'y avait pas de différence entre tribu ou clan. On était tous congolais. Vraiment congolais. À l'école comme au service. Donc, tout le monde était des collègues. Mais après l'indépendance, on a commencé par avoir des petits trucs qui découragent les gens. Et c'est ce qui va faire créer après les rébellions, qu'on arrête Lumumba, que j'ai connu, on arrête Lumumba et on divise le Congo en trois. Voilà qu'on a commencé à diviser le Congo en trois. Il y avait déjà le Katanga, c'est ce sont du Katanga, et Kizenga qui va prendre l'Kisangani pour occuper le Kisangani et le Kivu, mais qui ne va pas réussir. Et ça commence par s'entretuer entre nous-mêmes. Et l'économie tombe par terre. Mais ce que je pouvais dire, c'est que j'ai eu moi comme fruit, qu'après après le départ de Blanc, la province va me demander moi d'aller m'occuper le 24 janvier 61. Va me demander moi d'aller commencer à sauvegarder un peu de ferme qui est tombée le monnaie, il y avait 24. Et là, je vais appeler des anciens collègues, on va aller ensemble. Malheureusement, nous n'avons pas bien géré. Parce que je suis resté seul jusqu'aux événements d'esclaves. On avait tout vendu. Dommage, bon, et je suis encore seul qui est à cause des terrains. Mais nous avons cru que les Blancs ont acquis tout ça sans effort. Et nous, on voulait tout gâter sans effort. Mais l'indépendance, bon, elle a été précipitée. À mon point de vue, l'indépendance a été précipitée. Parce que nous n'étions pas préparés pour la gestion. Je vais vous donner un exemple de Gassabou que j'ai aussi connu. Ce type est mort, il n'avait que sa maison faute d'avance à la commune de Gassabou. La même chose que Mirou qui était président provincial ici. Il est mort, il n'avait que sa maison faute d'avance à Goma.
La mesure qui suit la Bénin Mumba, c'est lui qui a donné 1986. Parce qu'on dit qu'il y avait des gens, justement, à gauche, à droite. Mobutu nous fait souffrir, c'est nous qui avons acquis l'indépendance, maintenant il nous fait souffrir. Alors la Mobutu a hyper, il a commencé à donner des petites choses à gauche, à droite. C'est pour ça qu'il a donné à Miro, la maison qui suit la Bénin. C'est juste à côté de Nyamiro à la gauche. L'indépendance aurait pu être bénéfique si nous avions suivi l'exemple de ceux qui ont acquis l'indépendance. Les pères de l'indépendance, les Gassavou, les Lumumba, les Tchombe, les consorts. Eux, ils ont, je vais vous donner un exemple qui me frappe jusqu'aujourd'hui. Le tout premier directeur général de l'OTRACOM, que vous appelez aujourd'hui le SNCC, il est encore vivant. Mais il habite Moundaka dans les bananes. Ce type n'a pas acquis un mètre carré de plus. C'était le tout premier occupant de la maison de l'Onatra qui se trouve en face de la CNN. Vous voyez cette maison-là, Kanagaro qui s'appelle. Mais ce monsieur est encore vivant. Mais je ne sais pas comment. Heureusement, il a quand même eu la chance de faire étudier ses enfants. Mais il est dans le bananeré de Moundaka. Dans un bicoque en planche. Et c'est là qu'il est mort. Aujourd'hui, parce que ces gens-là disaient, ça c'est le bien du pays. Mais nous, nous disons, ça c'est mon bien. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux féliciter personne comme on peut trouver. En tout cas, personne. Personne. Parce que ces gens veulent vivre au-dessus de ce qu'ils devaient vivre. 100 fois plus que leurs moyens. Moi, quand j'ai, après que Mulmonen a été détruit en 67 avec Schram, je me suis vu engagé à une société hollandaise qui n'a plan. J'ai touché 100 zaïres. Et le gouvernement touchait 50 zaïres. C'était son salaire officiel. Mais il vivait avec ça. Moi, j'avais 100 zaïres. Et c'était beaucoup. Ce qui m'a aidé bon, à faire quelque chose après. Mais le gouverneur, le commis, je ne sais quoi, tout le monde devait vivre au-dessus de ce qu'il devait être. Je ne vois pas et nous ne développons pas notre pays aujourd'hui. Parce que nous exagérons, quand vous avez une parcelle d'autorité, vous cherchez à opprimer le reste qui est à côté. C'est pas. Enfin, le bien commun est très mal géré. Je ne dis pas mal géré, très mal géré. J'ai dit ça un jour à Djambo qui m'a dit qu'il allait m'arrêter. J'ai dit que je suis déjà prisonnier. Je n'allais pas me mettre à une autre prison parce que je suis déjà prisonnier. Parce que je me sens prisonnier aujourd'hui. Parce que je ne vais pas. Dans les temps, j'allais à Goma quand j'allais chercher des vaches. Je partais de chez moi à 4h du matin. Le soir à 17h, je suis ici. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je ne peux même pas aller à Bagira. Même en véhicule, c'est ça que je ne trouve pas qui m'arrive. Pourquoi? Je ne sais pas. Des petites taxes, on ne sait pas. Quand nous allons, nous allons rencontrer une ligne de paysans qui doivent payer 200 francs au groupe des militaires qui sont là. Parce qu'il faut que ces militaires soient nourris par les gens qui. Non. Il y a un relâchement, un abandon total du pays. Merci. Merci beaucoup.